Le garçon n'est pas ravi, tant il préfère rester dans son monde familier avec son ami Monsieur Sigal. Les offres d'art dans le musée, cela ne lui dit rien. Pour ne rien arranger, son ami Monsieur Sigal, qui l'accompagne partout, a soudainement disparu. Avant de pénétrer dans les salles d'exposition, adultes et enfants passent par le vestiaire pour y laisser les objets qui pourraient gêner leur visite. Que souhaitez-vous déposer, je vous prie? Une vieille trousse de secours héritée de mes ancêtres. Il n'est pas dit que tout le monde comprenne vraiment ce que l'artiste voulait exprimer dans sa création. Cela n'a pas la moindre importance. Qu'est-ce que ça peut bien être, cet arrière-plan? On croirait la prairie de mon enfance. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon cornet de glace? Est-ce de la nourriture ou de l'art? Les gens ont tendance à comprendre l'art en s'appuyant sur leur propre expérience. En ce sens, l'art est un reflet de celui qui le regarde. Pajutsu, l'auteur illustrateur du cadeau, est un designer taïwanais. Il a remporté le Grand Prix d'illustration de Bologne en 2011. Dans un style rétro-futuriste, il nous raconte ici une histoire d'initiation à l'art, l'expérience d'un regard nouveau sur le monde. À chaque page, on déchiffre les détails pleins de poésie, d'humour, d'élégance et les pensées, comme un détective, avec gaieté et curiosité.